facile de croire ce qu'on raconte, de ces histoires les plus profondes, il en est peu qui deviennent grands. De tous les signes que je t'ai faits, tu n'en retiens que l'imparfait, pourtant d'aimer sont tes louanges. De tout souhait, si je pouvais, il n'en est qu'un qui sauverait l'amour qui porte notre présent, volé de tes propres ailes, aimé à bout portant, gardé de ses expériences, le meilleur est sans souffrance. Cet album, je suis très content parce que j'ai apporté pas mal de chansons, pas mal de vie, de sentiments, de sensations, d'expériences, et je peux pas me mentir. Hein. Donc, si j'écris des trucs, je dois me reconnaître dans ces choses, parce que sinon, je peux pas les défendre, je peux pas les chanter, je peux pas. Voilà. Moi, je pense qu'un album, chaque album doit y avoir une certaine autobiographie, bien sûr. Renforcé par une imagination autre, mais le sens d'une chanson est important pour moi, pour que je vibre et pour que je l'interprète. Et c'est vrai que cet album, surtout ce premier album, c'est vraiment moi, quoi. Ce sera Mario Baravecchia. J'avais quelques titres en tête. Mais c'est le nom que mon grand-père portait. Le retour en Sicile l'année dernière m'a fait comprendre plein de choses, et j'ai certaines valeurs que j'ai envie de garder aujourd'hui. Et j'ai eu envie de mettre mon nom parce que c'est mon nom d'abord, et puis en son hommage aussi. Moi, il m'a beaucoup appris, et c'est depuis son départ que je chante. Donc c'est clair que cet album donc, lui est dédié d'abord. Et puis j'ai fait une chanson qui me touche beaucoup, qui s'appelle Nono, qui veut dire grand-père en italien. Et c'est son histoire, c'est mon histoire. Encore un jour avec la peur, ton silence. Encore une nuit où mon cœur bat en souffrance. Je sais, il ne faut pas, parce que tu es là. Je sais, tu veilles sur moi. Tous les jours, une espérance de vivre encore ta présence. Quelle chose as-tu appris sur scène avec tes collègues de Star Academy? C'est cette tournée-là qui m'a appris le plus de choses. On a eu un producteur de spectacle professionnel et merveilleux qui nous a donné la chance de faire un spectacle, un show, quoi, un show à l'américaine. Et quand tu chantes devant 10 000 personnes tous les soirs, tu ne peux qu'apprendre des choses. On avait des musiciens formidables, une équipe son extraordinaire. Et quand tu as, je sais pas combien de mètres carrés de scène, c'est difficile, c'est stressant. Enfin, moi, j'ai toujours ce stress avant de monter sur scène, 3 minutes avant. Mais après, une fois que je suis sur scène, je resterai des heures. Parce que le live, c'est... je pense que c'est l'objectif de chaque artiste. J'espère un jour faire une tournée et faire du live. J'ai jamais eu de problème avec le public. J'espère, ils sont très gentils. Mais c'est clair que l'envie des artistes, c'est que ça devienne plus large et qu'on évolue toujours et qu'on atteigne un public le plus large possible. Et les chansons que j'ai écrites sur l'album, il y en a beaucoup où les gens se reconnaîtront. J'ai voulu que ce soit une histoire pour chacun. Wow.
ce texte, c'est vraiment moi, quoi. Aimer à bout portant, garder de ses expériences plein de choses positives, et le texte le dit. Ça me fait penser à mon retour de New York et à mon arrivée à Paris et ma valise, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais voler de mes propres ailes, et en tout cas, je vais essayer. Tu as déclaré que tu aimerais bien que ton image de Latin Lover, entre guillemets, soit légèrement oubliée. Comment veux-tu être perçu en tant qu'artiste solo par ton public ? D'abord, je suis un garçon simple qui aime par-dessus tout chanter, composer, et faire passer des choses à travers des textes. Parce que j'avais besoin de souffrance pour écrire. Mais ces textes, après avoir souffert, j'ai envie de les chanter pour m'apporter du bonheur et pour m'apporter du bonheur. J'ai besoin de ça pour vivre. Si j'avais pas la chanson, je serais très malheureux. Je serais très malheureux. Ça fait 13 ans que je me bats et que j'essaye d'avoir une petite place. Et aujourd'hui, cette aventure, quoi qu'on dise, m'a permis d'être là aujourd'hui. Donc je ne cracherai jamais dans la soupe et je remercierai toujours tous ceux qui m'ont permis d'être là. Et je pense que dans la vie, il faut regarder vers l'avant. Et il faut continuer son chemin tout en se battant, parce qu'il faut se battre dans n'importe quel domaine, et surtout y croire. Et je crois en ma petite étoile qui me suit, parce que je pense que dans ce monde, il y a une place pour tout le monde, il faut la prendre, il faut se battre. Regarde loin devant, ne vois-tu rien venir? Dis-moi un peu comment tu vois ton avenir. Tu peux partir aussi loin que tu voudras. Trouver cette flamme qui brûle au fond de toi. Et s'il n'y a rien qu'un peu de vin et de couleur, s'il n'y a rien de tout ce que tu veux, si tu reviens pour un peu de chaleur, j'aimerais pour moi t'aimer encore un peu, encore un peu. C'est vrai que j'ai fait un travail surtout sur la fragilité, sur la respiration et sur l'adoucissement de la voix. Souvent, on a envie de gueuler, de chanter fort et d'être puissant. Et des fois, c'est pas la meilleure solution. Et ça, c'est un travail que je dois faire sans cesse. J'ai besoin de voyager, en tout cas. J'ai besoin de découvrir d'autres terres, d'autres gens. J'en ai besoin. J'ai eu la chance d'avoir une enfance vraiment très bien, très saine avec mon petit frère. Et c'est important pour l'équilibre d'un homme, je pense. Ensuite, ma famille m'a donné beaucoup d'amour. Toute ma famille, surtout mes tantes, mes oncles, je me rappelle. Bon, c'est vrai que nous, les Italiens, surtout dans le sud, c'est très repas en famille, les fêtes, etc. ensemble. Et ce côté-là m'a fait du bien et me manque aujourd'hui. Paris, c'était la ville dont je rêvais depuis toujours. J'ai toujours dit que je voulais venir à Paris, et aujourd'hui, je suis à Paris et je pense pas que je la quitterai. J'aimerais habiter au soleil, etc., mais il faut que je revienne à Paris aussi de temps en temps. Je me sens italo-belgo-français, on va dire. Non, parce que je suis né en Belgique, et que la Belgique m'a éduqué un peu, m'a appris beaucoup de choses, et puis mon sang est italien, et toute ma famille est sicilienne. Donc voilà, je suis avant tout européen d'abord, et puis j'espère que mes pays m'apporteront encore de tout ce que j'ai besoin. Posso dimenticare, io ti voglio sempre di più, io non ne posso più delle tue inquietudini, ci credo più, la ragazza che sei, ma dimmi cosa ne sai, se questa vita non l'ho scritta per noi,
Sai, io vivo per te e tu lo sai, io voglio vivere con te perché non sai. Il y a 13 titres sur ton album, est-ce que tu es superstitieux? Au contraire, c'est pour ça que je voulais avoir 13 titres. Il y a 13 nouveaux titres en fait, voilà. Il y a 13 nouveaux titres et moi le chiffre 13 me porte bonheur. Et cet album, c'est pas de revanche. Avant, je parlais de revanche, je parlais de haine, etc. Aujourd'hui, j'ai plus envie d'employer ces mots-là. Je pense que c'est un aboutissement. Et c'est un... Pour moi, c'est comme un livre. Et ça fait partie d'une des pages du livre. J'espère en avoir d'autres plus tard.